first introduce ourselves, about us, and you, and then I maybe start a question. Okay. To you or just chat. Okay. It's already 11, 4 past 11, so we're gonna start. So, じゃあ、今日はあの実験ということで、最初にまずあの、ラジオの、そのフラッグでのラジオの、番組始めていこうと思うんですが、今日は実験なので、あまりこう後で編集するということで適当に喋ってもらったと思います。L'idée du projet est arrivée en étape. La première étape, c'était un premier voyage au Japon que j'ai déjà fait par intérêt et comme ça m'a beaucoup intrigué cette culture visuelle. À l'époque, je ne savais pas encore, mais ils mélangent plusieurs écritures dans leur corpus du texte. Ça veut dire, en parallèle des kanji qui viennent de la Chine, ils ont intégré, après leurs propres écritures syllabiques, le hiragana et le katakana, et maintenant, de plus en plus, du latin. Maintenant, avec cette intégration du latin, les habitudes commencent complètement à changer. Ça veut dire, un système qui était pensé complètement pour une écriture en verticale, commence de basculer de plus en plus en horizontal. Et là, je voyais plusieurs choses qui m'ont interpellé, que je trouvais très intéressant aussi comme un défi, de dire pourquoi pas faire un caractère japonais qui complète un de mes caractères latins et qui permet après d'être utilisé dans des publications bilingues ou purement par des japonais qui utilisent de plus en plus le latin dans leurs propres textes. J'ai découvert que le CNAP a cette aide à la recherche, alors j'ai postulé avec un dossier. Et j'ai fait un premier séjour en 2013 à Kyoto qui m'a permis de comprendre de plus en plus leur culture, leur écriture et tout ça, et apporter un peu ça que moi j'ai comme connaissance et savoir-faire pour essayer de créer cette combinaison qui se base vraiment sur un multiscript latin-japonais. Au moment où on travaille sur un projet comme ça, on est souvent un peu dans son univers, on se concentre là-dessus. La possibilité de l'exposer, pour moi, c'est vraiment une possibilité de montrer un public beaucoup plus large, de tout horizon, initié, moins initié, de parler de cette recherche et de ce projet-là. Il y a une partie qui donne vraiment une sorte d'introduction pour donner les éléments de base aux visiteurs, visitrices, comprendre un peu l'univers. Et c'est quelque part aussi une sorte d'initiation dans la culture et le système d'écriture japonais. Et après, vraiment une mise en œuvre avec mon mur de recherche, où j'épingle un peu les différentes sources qui étaient d'une manière ou d'une autre intéressantes pour moi et le résultat, toutes les signes que j'ai développés et que j'ai dessinés qui a découlé de ces semaines et mois de travail sur ce projet-là. Quelque part, l'exposition comme elle est maintenant, c'est aussi un témoin de l'état actuel de ce projet. C'est un projet work in progress, ça veut dire le projet n'est pas encore terminé. Une des grandes difficultés avec le japonais, mais aussi avec le chinois, c'est tout simplement le nombre de signes qui est beaucoup plus élevé que nous on a en latin. Par exemple, un journal japonais utilise entre 2000 et 3000 kanji. Ça donne un peu une idée de l'ampleur, plus encore les hiragana, les katakana. Moi, je suis un tiers ou un peu plus de ça que je considère nécessaire et que mes confrères m'ont dit à quel moment on peut vraiment travailler sérieusement avec ça. C'est-à-dire, c'est vraiment aussi un projet de longue haleine. Il y a encore toute une partie que je dois accomplir. Il y a aussi l'idée que l'exposition voyage, qu'elle n'est pas seulement montrée ici à Montpellier à la fenêtre, mais qu'elle voyage en France et aussi à l'étranger. Je vois qu'il y a vraiment une sorte d'ouverture qui se fait avec des collaborations, des projets, des titres pour des journaux au Japon. Alors on va voir quelles sont les choses qui vont découler de ça. Et dans ce sens-là, moi je pense que ce projet va sûrement encore occuper de nombreux mois. これ、スイッチとかあった方がいいのかな?オンオフのやつとか、喋る喋る。ああ、こっちにあるんです。オッケー。だから、じゃあ、僕、日本語でいいんですか?英語でいいんですか?英語で大丈夫です。英語ですか?あ、オッケー。I'm Kyunori Imuroga. I'm working as an editor.